Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau sur Planet Crafter. Alors tout simplement pour vous montrer le dernier projet que j'ai fait. Alors pour ceux qui ont suivi le Let's Play, vous aviez déjà connu cette base là qui était assez grande pour pouvoir terminer en fait tous les objectifs de l'Early Access. Il y avait toutes les machines nécessaires à l'intérieur. Et je me suis dit que pour préparer la suite, on allait être un petit peu à l'étroit. Et du coup, honnêtement, j'ai charbonné. Vous allez voir, la structure que je vais vous proposer, elle est quand même au moins... Je sais pas, je dirais au moins 5 ou 6 fois plus grande, peut-être plus même d'ailleurs, vous allez me dire. Mais réellement, ouais, non, franchement, ça a pris un temps assez fou au niveau des ressources notamment. Je vais vous montrer ça, c'est complètement dingue. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps en réalité quand je me suis lancé dans l'histoire, quoi. Alors, j'ai créé une petite plateforme pour pouvoir vous montrer l'intégralité du projet du premier coup d'œil. Hop, on arrive ici, on monte et... Voilà. En gros, c'est ce que j'avais appelé le hub la dernière fois. Tout simplement, le but, c'était de se rapprocher des, à mon avis, futurs biomes qui vont être créés ici, parce qu'il y a déjà du relief, des montagnes, des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est totalement vide. Restez pas très très loin de la Stargate aussi, puisque derrière, ça a l'air, à mon avis, ça va être rempli un petit peu plus tard aussi. Je le pense, hein, ça, on n'a aucune information pour l'instant. Et du coup, je voulais connecter, en fait, tout ça sans avoir à descendre par le canyon. Bon, j'aurais pu passer tout simplement sur le côté, hein, c'était pas non plus compliqué, mais je trouvais ça stylé d'avoir une espèce de base en forme de croix par-dessus, quoi. Et donc là, tout ça, c'est la partie habitation avec tout ce qu'il y a de nécessaire pour la base. Là-bas, j'ai fait une espèce de centre de contrôle, vous allez voir. Et en fait, dans toutes les entrées de la base, en gros, vous allez avoir le nécessaire pour la survie. Donc, c'est-à-dire un truc pour manger, un truc pour crafter, des choses comme ça, quoi. Donc bon, on va aller voir ça un petit peu de plus près. Hop là, on va passer par l'entrée principale. Alors, c'est celle qui est au fond, en réalité, c'est pas celle-là. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que mon site de construction, je l'ai commencé par ici. Alors, on n'a plus d'oxygène, c'est pas grave. Normalement, voilà, j'avais prévu de quoi faire. Hop là. Et je me suis basé en énorme partie sur tout ça. Hein, réellement, les 4 extracteurs de tier 2, ils n'étaient pas suffisants. En réalité, j'ai dû aller à tous mes autres extracteurs, celui notamment du super alliage, parce qu'en fait, toute la structure est construite, vous savez, avec ces blocs-là, les grands modules d'habitation. Donc, ça coûte à chaque fois du super alliage. Donc, si vous n'avez pas les extracteurs de tier 2, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Hop, bon, du coup, on va rentrer et c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, dans chaque entrée, vous allez avoir un petit plot comme ça pour pouvoir crafter des trucs rapidement, de la bouffe et un accès à la base principale. Alors là, du coup, pour l'instant, voilà, là, ici, j'ai mis tous mes écrans de contrôle, sauf un, malheureusement, que j'avais prévu de mettre ici, mais en fait, le jeu n'accepte pas qu'on pose un truc sur ces jonctions. Donc, du coup, malheureusement, bah, j'ai dû le mettre ailleurs, mais voilà. Alors, la base n'est pas remplie à 100%, loin de là, comme je vous l'expliquais. J'ai prévu largement de la place d'avance, mais voilà, tout est opérationnel. Et un truc qu'on m'avait expliqué dans les commentaires, c'est tout simplement que la carte changeait en fonction de là où on était. Et effectivement, oui, bah, j'ai pas lancé notre satellite, c'est juste que j'ai un écran qui est ailleurs, quoi. Et regardez la taille du bousin, quoi. Franchement, ce pont là il est vraiment trop long. Vous allez voir, ceux là je les ai décorés complètement, lui il n'est pas encore fini d'être décoré en réalité. Et là, il n'y a absolument rien, il y a juste le vert. Mais ne serait-ce qu'en, enfin, pour avoir, bah, vous allez voir ici quand on y va. Hop, on va aller par là-bas. Alors, j'ai mis quelques fauteuils, mais bon, le tissu, ça reste quand même une des ressources un petit peu limitées, quoi. Donc, je vous disais, vous voyez, le sol est en vert, les murs sont en vert et le plafond aussi, quoi. Et vous voyez, j'ai utilisé les petits nouveaux panneaux que je trouve assez sympas, donc pour indiquer tout ce qui était disponible, vu que la base est très très grande. C'était un petit peu dans une sorte de roleplay, imaginons on soit plusieurs. Bon, pour l'instant, le multijoueur n'est pas prévu. Ils ont pas dit que c'était qu'ils étaient contre, mais ça sera dans un très long terme si jamais ça se fait, quoi. Donc vous voyez, le stock, le mess pour manger, les générateurs, le labo et la section agriculture. Et vous voyez, donc j'ai refait de ça, en fait, tout simplement, j'en ai utilisé masse, histoire de repeupler un petit peu. J'ai aussi utilisé des pots de fleurs, histoire de varier, parce que je vous rappelle qu'en éléments de décoration, bah, ça c'est de l'extérieur. En déco, on n'a que ça, hein, et tous ces trucs-là, ça coûte du tissu, donc ben, c'est une ressource qui est totalement limitée. On n'a pas de... Enfin, pour l'instant, on peut pas en prendre. J'imagine vraiment qu'à terme, on va pouvoir faire du tissu, maintenant qu'on a des... Enfin, on a des plantes, des choses comme ça, il y a moyen, quoi. Donc voilà, j'ai mis un petit peu tout ce que je trouvais, vous voyez, j'ai mis des vitrines un peu partout, et surtout, j'ai créé des grands stocks, comme ça, au moins, on est tranquille. Celui-ci, c'est le premier, vous voyez, avec des armoires, pardon, avec un peu de tout à l'intérieur. Hop! La même chose en symétrie de l'autre côté, ici, comment on appelle ça, je ne me rappelle même plus, l'établi amélioré en tout cas, voilà, l'établi avancé, ils appellent ça. Et je me suis amusé aussi à mettre, par exemple,
Hop, alors à chaque fois, on voit où on va. Là, c'est en direction du labyrinthe. Là-bas, ça va être la Stargate. Mais bon, pour l'instant, il y a des modules devant. Donc, vous voyez, il y a le laboratoire génétique. Ici, il y a des labos. J'en ai fait deux parce que, bah, pourquoi pas. Et regardez, la vue, elle est quand même assez jolie, je trouve, avec la Stargate au fond. Et je vais vous montrer un truc. Donc là, on va aller sur celle-là. Et regardez bien, moi, je trouve ça magnifique. Quand on est en haut, là, on voit vraiment tout. Alors, j'ai laissé une porte ici, tout simplement, pour pouvoir sortir et aller récupérer la liane. Alors, la liane, moi, à chaque fois que je la prends, je tombe, je me fais des dégâts. Donc, techniquement, pour sortir, bah, j'utilise mon jetpack. Mais si vous n'avez pas le jetpack, bah, sachez que vous allez prendre des dégâts. Vous voyez, hop, avec le jetpack, tout va bien. Et avant, j'avais juste ce petit module-là, qui a été vraiment ma petite base d'opération pour commencer à construire. Vous voyez, je venais récupérer mon oxygène ici tant que j'avais pas, parce que j'avais pas de porte, j'amenais que du fer et du titane et des trucs comme ça, donc je pouvais pas en faire. Mais voilà, pour remonter, c'est bien pratique quand on a besoin de quelque chose. Alors, ce truc-là, je l'ai laissé tout simplement pour vérifier le niveau de l'eau. Et en fait, ça s'est mis juste au bord et ça n'avance pas plus que ça. Vous voyez, il n'y a jamais d'eau ici, là, en réalité. Tout autour, il y en a, mais pas là. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'avance plus. Et pourtant, on a passé les deux TTI, quoi. Hop, donc, on retourne dans la base. Au centre, alors on m'avait conseillé de mettre des fleurs, alors j'ai changé un petit peu d'avis, au début je voulais mettre les laboratoires au milieu, mais non, j'ai mis un parterre d'herbe complet, vous allez voir, hop là, attendez, tac, on va se mettre de ce côté, ce sera quand même plus joli. Vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait de l'herbe vraiment partout. Bon, du coup, il faut 12 machines, donc ça sert un petit peu à rien. Mais bon, c'était juste pour le côté plaisir, quoi. Bon, on a un extracteur de gaz. Les arbres, en fait, de base, je voulais qu'il y ait un arbre au centre, donc j'avais mis mon truc exprès. Et en fait, selon quand vous redémarrez le jeu, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et j'ai même eu le cas une fois où il y avait un arbre qui a poussé dans le rocher ici, qui me bloquait les deux portes, là. Bon, c'était pas bien grave, et c'est arrivé qu'une fois, donc au pire des cas, ça, je peux le shooter, c'est pas non plus un drame, quoi. Hop, on va continuer un petit peu la balade. Et vous voyez, donc là-bas, ça va vers ce que moi j'appelle les Badlands, parce que c'est juste un vieux désert aride avec absolument aucune ressource pour l'instant. Et vous voyez, il y a des petits trucs là-bas. Bon, vous voyez, c'est pas fini complètement, quoi. Hop, et on va aller dans l'autre partie, la dernière, le générateur et le mess. J'ai complètement craqué, regardez, j'ai fait 3 générateurs à fusion. Honnêtement, en énergie, on est pas mal, il en reste 1005 d'avance. Donc en fait, non, il y en a qu'un qui est pas totalement utilisé, les autres sont tous utilisés, quoi. Bon, après j'ai des machines vraiment partout sur la planète, hein, maintenant, quoi. Et le mess, j'ai fait simple, hein, tout simplement, bah, parce que encore une fois, le tissu, c'est limité, quoi. Enfin voilà, bon, je pense vous avoir montré à peu près l'essentiel de la base. En réalité, il y a des rangements un peu partout, il y a des choses comme ça. Ah non, j'ai oublié autre chose. On va retourner, par exemple. J'ai fait des petits tours de contrôle qui ne servent absolument à rien, c'est juste pour m'amuser, quoi. Mais je trouve ça assez joli et ça a évité que la base soit complètement plate, quoi. Parce que sinon, c'était vraiment trop étendu et on vous l'avait peut-être vu d'en bas. Mais en gros, voilà, dans chaque côté, je me suis dit que ça serait les quartiers d'habitation avec, pourquoi pas, ben, une sorte de lit ou un truc comme ça. Mais bon, pour l'instant, le tissu, c'est un petit peu léger, quoi. Mais voilà, ça permet d'avoir un point de vue assez dégagé, en réalité, sur l'extérieur. Et du coup, c'est plutôt pratique, quoi. Vous voyez, on voit même l'épave là-bas. Je trouve le décor de mieux en mieux sur la planète, en fait, en réalité, quoi. Et hop. Et alors, pour ceux qui se disent, ouais, mais c'est peut-être pas très rapide, bah, honnêtement, si vous voulez vraiment vous déplacer, bah, vous allez très vite en passant par-dessus la structure. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans, c'est juste un gros pont, quoi. Il y a un petit truc. Attendez, on va se mettre à l'abri. Et hop. On va manger une aubergine, ça fait du bien. Alors, ça nourrit pas trop, mais c'est que j'étais en train d'utiliser des trucs dans le laboratoire. Mais voilà, vous voyez, j'ai fait dans les 4 angles. Donc voilà, on pourrait jouer techniquement à 4 sur cette map. Il y aurait largement de quoi faire. En tout cas, en ressources, voilà. C'est tout plein en plus au passage. Donc, je suis prêt pour la prochaine mise à jour. Les développeurs, je vous attends. Je vous attends avec impatience. Ça fait déjà quasiment 2-3 semaines là. Donc, vous aviez dit tous les 2-3 mois, on est pressé. Enfin, moi, je suis pressé en tout cas. Voilà, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette base vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des idées pour l'améliorer. Je suis preneur, hein, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Les laboratoires, je les ai mis en haut, hein, tout simplement pour pas être gêné. Celui-ci, il a, vous voyez, une petite échelle qui permet d'y rentrer. Celui-ci, non, tout simplement parce que je me suis dit que ce serait pas crédible avec le côté c'est de la terre à l'intérieur. Donc non, ça ferait de la terre qui tombe dans notre base toute propre. Ça me va pas du tout. Voilà, voilà. Bon, bah, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt, bah, pour la suite de cette aventure quand il y aura des nouveautés.